Yo, bien ou bof? Ah, j'ai encore passé une excellente soirée avec nos champions du monde, ça fait zizir! Bon, avant de commencer, je te parle TVF de notre sponsor. OneFootball, comme indiqué juste ici, qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui n'est autre que l'application number one sur le football. L'application totalement gratuite, c'est important de le dire. L'application est également totalement personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre. Et il y a absolument toutes les news et les statistiques les plus pointues, poteau. Cette application est disponible sur Android et iOS. Et comme indiqué juste ici, tu peux la télécharger. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo, c'est un bon moyen de me soutenir ma gueule. Bref, comme je t'ai craint de te le dire, j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie sur le AZ Canapé Magique. On a supporté les bleus et on a gagné 4-0. Non, 4-1 pardon. Oui mais bon, le 1 en même temps, il était... Ouais, le penalty il était discutable ma gueule. Bah oui, mais ça me fait chier quand même parce que c'est du vol avec cette simulation dans la surface de mon fion sur la commode, tout ça tout ça. Ah ouais gars, on laisse rien passer, y'a pas penalty, normal genre, j'en ai rien à te fou. Y'a pas de petite équipe, y'a pas de grande équipe, on tabasse tout le monde puis c'est tout. Moi chier moi. Mais bon, on va dire que c'est pour se faire pardonner de l'autre connard là au Stade de France. Je sais pas qui que c'est là, il a carrément mis l'hymne national de l'Andorre. Ils ont carrément annoncé l'Arménie, je croyais bien. Mais t'es bête ou quoi? Bah si. Je crois il s'est fait virer façon. Bref. Donc c'est qu'est-ce qui fait que la dernière fois on a fini en kebab contre les coutures au mois de juin, mais là cette fois on a mangé l'Albanie en brochette ma gueule. Moi chez moi. Eh bah ouais, c'est qu'est-ce qui fait que même avec tous nos blessés, Pogboum, Kanté, Mbappé tard, et bah on en a quand même fait de la viande hachée de ton Albanie poteau. Moi chez moi. Bref. Donc pour résumer, à la 36e minute, bim, but de Giroufard. But de Giroufard, but de Giroufard. Ouais, mais après combien de foirés aussi? Combien elle en a foiré? Combien elle en a raté? Giroufard, je l'ai marre, j'en peux plus de ce mec. J'essaye d'être tigeon avec lui, je l'avais dit au début du match. J'ai dit, allez, on va essayer d'être gentil. Mais non, je peux pas, c'est pas possible. Non, mais parce que qu'est-ce que moi je comprends pas avec Giroufard? C'est qu'il est pas technique, il mérite des claques, mais il claque quand même. Il est éclaté, mais il claque quand même. Il a une tête de claquette, mais il claque quand même. Mais comment se ferait ce? Nom d'une sardine avariée, j'en peux plus de ça. Gueule de merde. Il joue quasiment jamais à Chelsea. Il claque en équipe de France. Comment se fait rester? Je comprends pas. En même temps, si, je comprends. Parce que quand tu joues, qui vente, qui pleuve, qui neige, il joue tout le temps. Il est tout le temps titulaire. En même temps, c'est normal quand t'es un fils de dirigeant. Bah oui, le sélectionneur, c'est son daron, poteau. Puis maintenant, bah il est carrément à 5 buts du record de Michel Platini. Bah oui, bah tu mets le ton, John. Moi, chez moi. Bref. Ensuite, il y a Super Griezmann qui a malheureusement loupé un penalty. Bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. Super Griezmann, je lui pardonne tout à lui. Mais bon, quand je l'ai vu viser la lucarne en force, je me suis dit c'est un petit peu trop cru au Barça celui-là. Ouais mais non, faux, nul, zéro. Redescends, reviens parmi nous, c'est mieux. Ensuite, l'homme du match, le mec qui m'a vraiment bien fait zizir, c'est un ancien parisien en plus, Bricoman. Bim et bim, il a mis un doublé poteau. Ça fait zizir. Ensuite, on a continué le gueuleton à la parisienne avec Ikoné, les bails, un ancien parisien lui aussi. Et bim, 4-1 poteau. Ça fait zizir. Donc voilà, j'ai passé une excellente soirée. On retiendra la magnifique prestation de Coman le barbare. Avec ses débordements et ses passements de jambes, il m'a vraiment fait zizir ma gueule. Hernandez aussi, il était remonté de l'autre côté, il a fait du sale. Et voilà, malgré les absents, ils ont tous répondu présent poteau. Parce qu'il n'y a pas de petite équipe en face, on en a rien à te fou, je te l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est quand même pour la qualif de l'Euro 2020, donc c'était pas n'importe quoi comme match. On n'est pas venu pour baltringuer ma gueule. Moi chez moi. Voilà tout, qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Ça m'a fait extrêmement zizir de supporter notre équipe de France en votre compagnie sur le AZ Canapé Magique. On est de plus en plus nombreux les poteaux. Je vous donne rendez-vous pas plus tard que mardi soir pour une nouvelle dinguerie de nos champions du monde. On connaît les bails. Salut.